Bienvenue dans cette entreprise. Cette entreprise, c'est une aventure extraordinaire. C'est 23 500 collaborateurs, c'est une quarantaine de métiers, ce sont des filières qui sont très différentes et c'est surtout des parcours de vie. Les principaux métiers de l'entreprise, il faut commencer par ceux qui fondent le socle de l'entreprise, c'est-à-dire les métiers de l'immobilier. C'est les métiers de la gestion, c'est les métiers du commerce et tous les métiers qui gravitent autour, comme la comptabilité, l'assistance. Ensuite, vous avez tous les métiers des filiales qui constituent la galaxie qui tourne autour de l'univers de l'immobilier et aussi tous les métiers de siège, qui sont des métiers plus classiques, la gestion des ressources humaines, la direction financière, l'ingénierie informatique. On va dire qu'il y a un ADN différent pour chacune des filiales de cette maison. Si je parle Citia Immobilier, on est dans le domaine de l'administration de biens, je vais avoir un ADN qui va être tourné principalement autour du client, de la prestation de service, de la réactivité. Si je suis dans l'assurance, ça va être un ADN qui va être plus rassurant, qui va être effectivement pour la gestion du sinistre. Mais finalement, j'ai toujours ce petit fil d'Ariane qui suit, c'est le client au cœur de tout ça. Notre stratégie, c'est quoi? C'est fondamentalement pas s'occuper du résultat de l'entreprise, mais s'occuper de son développement. Et petit à petit, on va faire comme on a fait dans l'automobile. On va mêler les métiers, on va simplifier les situations, on va s'occuper des gens. Nos objectifs de recrutement, ils sont clairs. On a là environ 4000 postes à pourvoir. Grosse partie de ce volume est à la destination des franchisés. Puis après, tous les univers possibles, de la compta à la gestion, à la finance, l'informatique, etc. Si je devais définir un tronc commun de nos collaborateurs chez Arche, c'est des collaborateurs qui sont d'abord tournés vers le client. Et ensuite, il faut des gens qui soient animés par le développement et qui aient l'envie de s'attacher à cette émotion-là. La plus grande force valeur ajoutée de l'entreprise, c'est l'humain. L'humain, c'est la capacité de se retrouver, la capacité de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de rêver ensemble. L'année dernière, on a reçu le prix de la première entreprise dans les métiers de service qui reçoit la satisfaction de ses collaborateurs. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis fier. Et pourtant, on leur demande le meilleur d'eux-mêmes. Et pourtant, on leur demande de s'impliquer. Et ils le font avec joie et bonheur. Le plus grand résultat d'une entreprise, c'est la qualité des femmes et des hommes qui l'animent. Alors évidemment, on a intégré une chose qui était principale pour nous, qui était voire primordiale, c'était que notre collaborateur se sente bien dans l'entreprise. On sort juste d'une période de Covid qui a été difficile, et bien les nôtres, ils avaient leur environnement, leur bureau, leur fonctionnement. Ça veut dire qu'on est contre les plateaux. Ça fait très longtemps qu'on tourne en véhicule électrique, que notre siège, on l'a voulu construire autour de cette écologie. Si j'ai un collaborateur heureux, j'ai un collaborateur qui est activiste de sa réussite et donc de la nôtre. Le collaborateur, quand il intervient d'abord dans une équipe à taille humaine. Il intervient avec un chef d'entreprise qui va regarder comment il réalise son business plan, qui va s'intéresser à son projet, qui va le suivre, qui va l'accompagner. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez inédit et qu'on ne retrouve pas partout. Et je crois que ça, c'est une des grandes forces de notre maison. Alors pourquoi nous rejoindre? Parce qu'on va faire tous les métiers, parce qu'on a des possibilités énormes de développement. Je connais des tas d'exemples aujourd'hui dans nos équipes de gens qui ont démarré par un poste, qui aujourd'hui sont cadres sup dans cette entreprise, sont aujourd'hui managers de leur centre de profit. On a commencé la maison, nous étions 5. On est 23 500. Et à chacun, on a offert un parcours de vie exceptionnel. Sans chacune et chacun d'entre eux, nous ne serions pas ce que nous sommes. Je suis fier d'être leur patron, je suis fier de les avoir embauchés et je suis fier de développer cette maison.